Bon matin, j'espère que ça va bien. Là, ce matin, je m'en vais à l'école. J'ai une grosse journée, c'est rare, mais j'ai mes deux cours aujourd'hui. Fait que j'ai mon cours de microéconomie ce matin. Puis cet après-midi, j'ai mon cours de santé et sécurité au travail. Fait que je vais aller là. J'ai comme. Hier soir, j'ai rassemblé mes petites affaires qu'il fallait que je mette dans mon sac à dos juste ici. Fait que je vais falloir que je fasse ça. Ouais, là, excusez, le lave-vaisselle, il roule. Mais je me suis fait comme une salade avec. Il restait des petites boulettes de dinde. J'en ai pris deux pour laisser la moitié en taux. Une tomate avec des piments que je me suis coupée. J'ai pris ananas et melon d'eau. C'est vraiment rare, mais cette batch-là, les deux étaient tellement bons. Un petit Red Bull avec, oh là là, avec ma pomme. Je pense qu'avec ça, je vais m'emmener un petit yogourt comme genre de déjeuner, collation. Là. Et puis, je vais regarder si on a des bords tendres. Parce que ça pourrait être bien bon. Oh, on n'a pas l'air d'en avoir. Fait que, bon, c'est pas grave. Ah, les poires sont pas encore prêtes. J'ai pensé à mettre hier le petit truc que j'ai acheté. Fait que j'aime ça, je trouve que ça fait moins noir. Mais là, je me disais que les cocottes pour l'été, je pourrais quasiment les changer pour quelque chose d'autre, mais je sais pas quoi. Fait que si jamais vous avez des suggestions de ce que je pourrais mettre là, je serais preneuse. Fait que là, je vais juste prendre mon portefeuille parce que, ben, il faut payer. Hein. Fait que ça, et puis mes clés. De ma journée d'école, fait que ça a super bien été. Pour vrai, à la fin, je commençais par contre vraiment à manquer d'énergie, là, j'étais comme vraiment amorphe, fait que j'avais hâte de revenir à la maison. Mais en passant, ça a été vraiment une bonne journée. J'ai pris, dans le fond, j'avais comme une heure et demie de dîner entre mes deux cours, puis j'ai pris ça pour avancer une couple de petites choses, puis j'ai fait toutes mes appels que j'avais besoin de faire, fait que ça, je suis vraiment contente. Il me reste juste, il y a du montage, des choses comme ça que j'aurais aimé faire, mais j'avais pas l'ordinateur aujourd'hui, fait que je vais faire ça ce soir. Là, je viens juste de finir de vider de la vaisselle, puis de le re-remplir. En fait, je vais commencer à le re-remplir. Et puis, j'essaie de penser à qu'est-ce qu'on va manger pour souper. C'est tellement genre l'éternel struggle, la question de tous les jours à savoir qu'est-ce qu'on va manger. Fait que là, j'avais comme des crevettes, pis tu sais, des trucs de même, mais sérieux, j'ai juste envie de manger de la pizza. Il y a comme, il reste une pizza dans le congélateur, j'ai juste envie de manger ça. Mais on essaie de faire attention après la semaine passée. J'ai comme vraiment pas tant envie de me forcer, fait que sinon je me dis, ce qu'on pourrait faire, c'est des pâtes. On a plein de sauces à spag de la grosse batch que j'avais faite la dernière fois, fait que peut-être que ça, ça pourrait être une suggestion. Je vais demander à toi qu'est-ce qu'il en pense. Je m'apprêtais à, en fait, moudre du café, parce que... C'est juste celui qu'on achète, il est en graines. On achète celui du Costco, le gros sac du Costco. Il est en graines, mais c'est ça, on en a plus. Puis là, on n'arrête pas de prendre la machine de curry qui est vraiment pas bon. Fait que je veux qu'on fasse ça parce que quand on fait ça, on pré-programme notre café puis il est prêt le matin quand on se lève, puis c'est vraiment le fun. J'ai fait un énorme dégât, puis j'en ai ramassé la moitié, fait que ça vous donne une idée. Fait que j'ai fait comme ces 5 pots là, ça c'est un pot de salsa. C'est vraiment pratique de garder ces pots là quand vous avez quand ils sont terminés, faut juste enlever le collant, puis c'est vraiment pratique pour mettre comme un paquet d'affaires. Fait que là, je vais mettre ça dans l'armoire, puis le café qu'on utilise, c'est celui-ci. Fait que c'est le Milano Espresso de chez Costco. C'est lui qu'on a au travail, puis je l'aimais tellement que je nous l'ai acheté, fait que vraiment, vraiment un très bon café si jamais vous en cherchez un bon. Bon matin, j'espère que ça va bien. Alors, j'ai eu une petite frousse parce que ça fait comme deux jours que je branche ma batterie, ben ma caméra, pour qu'elle charge durant la nuit puis qu'elle soit prête à utiliser le lendemain matin. Et puis là, ça fait deux matins que je me lève, puis hier elle était à 50%, fait que j'ai comme elle a pas chargé, puis là ce matin elle était à 7%, puis j'ai angoissé un peu, mais je viens de me rendre compte que le fil était juste mal rentré dans le petit bloc, puis j'ai d'autres batteries supplémentaires, fait que là je les ai toutes chargées. En tout cas, on est all good. Je m'apprêtais à partir ce matin parce que j'ai un rendez-vous au garage. Je m'en fais faire un changement d'huile sur ma voiture. Je suis comme vraiment due parce que je suis rendue genre 3000 kilos ou 3000, ouais, 3300. Peut-être 300. Ouais, 300. 300 kilos au-dessus de ce que je devrais être. Mais avant de partir, je voulais juste pacter mon ordinateur parce que je veux en profiter pour avancer des petites choses tant qu'à avoir une petite demi-heure à attendre. Mon rendez-vous vient de finir, ça a pris genre 20 minutes, ça a été super rapide, fait que je suis vraiment contente. Je pense que vu que j'étais le premier rendez-vous du matin, il y avait comme aucun retard, puis
c'est cool. Fait que j'en ai profité aussi pour prendre mon rendez-vous de changement de pneus pour mettre mes pneus d'été. Là, je suis tannée. Fait que je force les choses. J'ai demandé quand est-ce que le monde habituellement mettait leurs pneus d'été. Puis elle m'a dit au mois d'avril. Fait qu'elle dit, tu sais, si tu veux prendre ton rendez-vous tout de suite pour avoir le choix du moment, fais-le. Fait que c'est ce que j'ai fait. Je l'ai pris lundi. Pas la semaine prochaine, l'autre d'après. Fait que le 1er avril, très exactement. Et puis, encore une fois, à 8h30 le matin. Oups. Désolée. Je l'ai pris à 8h30 le matin pour, même chose, que ce soit super rapide, puis que ce soit le premier rendez-vous de la journée. Puis, comme ça, ça fait aussi que j'ai pas le choix de me lever. Puis, je peux pas traîner ça. Fait que je me lève, puis je commence ma journée de bonne heure. Bon, fait qu'on a notre invité spatial. Spécial. Fait qu'on est en train de faire la petite sélection de photos. Mel est en train de regarder ça, en fait, de la journée 3. Parce qu'on n'avait pas fini. Ça, c'est vraiment hot. C'est fou, même. C'est vraiment nice. J'ai hâte de voir avec le fil que ça va donner. On n'avait comme pas le temps de terminer, de retoucher les photos. Puis, tu sais, Mel, je voulais qu'elle fasse la sélection des photos qu'elle, elle aime vraiment pour pas que moi, j'en choisisse. Finalement, elle les aime pas ou il y en a qu'elle aurait aimé avoir. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire ça. Comme ça. Fait qu'on va, il nous reste jour 3, jour 4. Puis, en fait, jour 3, on a toutes fait notre sélection. Il reste vraiment juste à mettre la dernière sélection, tu sais, finale, là, de celle qu'on veut absolument retoucher, puis de les retoucher. Puis le jour 4, il reste tout à faire. Fait que ça va quand même bien se faire. Je pense pas qu'on en avait tant que ça du jour 4, de toute façon. Non? OK! Il ventait-tu, tu penses? Il est rendu pas mal plus tard, tantôt. Je pense la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais avec Mel. Puis on retouchait les photos. On était prise de court jusqu'à la dernière minute parce qu'on l'a fait jusqu'à la dernière minute. Continue tout droit. Puis la 4e lumière à gauche. Et puis c'est ça, on a retouché les photos vraiment jusqu'à la dernière minute. Puis elle est venue me porter à l'école pour pas que j'aille à payer le stationnement. Puis mon chum est venu me chercher. Oh, ça se peut-tu, hein, pas facile. Mon cours a été vraiment plus rapide que prévu. Finalement, c'était censé finir à 5h. Puis encore une fois, ça a fini comme 1h30 d'avance quasiment. Fait que... tant mieux. Les deux, on a encore, Anto, il est en train d'imprimer ses commandes. Fait qu'il y a encore pas mal. Faut que t'aies porté des commandes. Bon, en tout cas, faut qu'il ait porté des commandes. Et puis moi, j'ai encore pas mal de travail à faire. C'est ça, j'ai un paquet de travail à faire. Fait que je vais aller faire ça, un petit peu de montage. Faut que j'avance mes devoirs parce que demain, je travaille toute la journée puis on part pour Québec. Fait que j'aurai comme pas bien le temps de faire ça à un moment ou à un autre. Non. Surprise! Hi friends! On termine de préparer le souper. Fait que pour ce soir, on a fait un couscous de crevettes avec des asperges et des piments parce que c'est les légumes qu'on a cette semaine. Puis un petit peu d'oignon. Là, moi, je suis en train de me faire. Oups, voilà, je vais me poigner. Je me fais chauffer un petit restant de champignons dans la poêle parce que ça me tentait pas dans la vie un autre. Hein. Fait qu'on mange ça en écoutant 22 Jump Street. On est rendu le lendemain. Je vais fermer mes wipers, ça va être vraiment fatigant. Je viens juste de terminer de travailler, il est rendu 4h30. Exceptionnellement, j'ai changé mon chiffre cette semaine pour pas travailler le samedi puis travailler le vendredi à la place parce que on quitte pour Québec. Pour demain, on a un contrat à Charlevoix. Fait que on va passer la journée là. Ça va être une fichue de grosse journée, une méchante belle journée, j'ai tellement hâte. Mais c'est ça, vu que Charlevoix c'est une longue route de la maison, bien on s'est dit qu'on allait comme briser ça en deux puis aller dormir à l'appartement à Québec, puis demain matin faire la route de Québec à Charlevoix. Fait que c'est ça pourquoi on s'enligne, mais là j'ai aucunement fait mes valises encore, puis techniquement on voulait partir genre dans pas long. J'avais reçu un petit colis, en fait un papier de colis encore une fois, comme je vous disais. Ils ont pas cogné, fait que c'est tellement le fun, c'est tellement pas la première fois que ça arrive, ils cognent pas, ils laissent le papier, puis Anto il était là toute la journée à attendre ça, fait que ouais, en tout cas là on est justement là pour essayer de voir s'ils vont pas l'avoir reçu, parce que c'est ça, peut-être que même s'ils disent demain, des fois ils peuvent l'avoir reçu avant, fait que on s'essaye, hein, on perd rien d'essayer. J'ai reçu un commentaire genre pendant que je travaillais, puis j'étais comme... Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, t'as changé, les vidéos que tu fais, c'est pas les vidéos que tu faisais au début, nanana, genre, c'est pas ça qu'on veut voir. » Puis j'étais comme « Ok, ben,
Je suis désolée. C'est juste, tu sais, je comprends que oui, j'ai changé de style de vidéo, j'ai changé de vidéo, je fais plus de sit-down, je fais plus de choses comme ça, parce que c'est plus vraiment ce qui m'intéresse. Tu sais, je vais vous présenter mes produits favoris à travers des vlogs, tu sais, ce genre de choses-là. Je vais présenter mes achats à travers les vlogs. Je vais quand même vous parler du même style de choses que je parlais, juste moins vidéo dédiée seulement à ça. De toute façon, j'ai comme plus le temps de faire des vidéos exprès, genre m'asseoir une heure, deux heures de temps, puis filmer ça, vous le savez, vous le voyez, on n'arrête pas. J'ai pas une heure, deux heures de faire ça. T'sais, déjà, de faire le montage de des vlogs aussi rapidement, t'sais, aussi souvent que ça, ça en demande déjà vraiment beaucoup. S'il faut en plus que... Oh non, il n'y a pas mon colis. J'étais juste comme, tu sais, je suis désolée, mais je changerai pas. Puis c'est le contenu que j'ai décidé que j'allais changer pour faire. Fait que c'est ce par quoi je m'enligne. Fait que c'est ça. Pour terminer ce que je disais tantôt, tu sais, on dit toujours dans la vie, tu fais ce que t'aimes parce que t'aimes ça. Puis c'est ce que c'est, les vlogs, pour moi. Le reste, tu sais, ça a juste changé. Mes goûts ont juste changé. Puis, tu sais, je suis désolée si ça déplaît à du monde. Je sais que c'est pas tout le monde qui est content de ça, mais je pense que, tu sais, ça serait vraiment moins le fun si j'aimais pas ce que je fais puis je présentais des vidéos parce que je me sens obligée de s'en présenter et non parce que j'aime ça. Je pense que ça paraîtrait et dans la qualité du contenu et dans mon bonheur général. Fait que c'est ça pour la petite capsule retour à la réalité. On vient d'arriver à la maison, je me suis changée. J'ai mis, mon père donnait ce chandail-là puis je l'aime tellement. C'est genre le chandail le plus confortable, il est tellement doux. Je suis en train de préparer les trucs. J'ai préparé ma valise. On n'a pas besoin de grand chose. Dans le fond, on a besoin d'énormément de linge chaud pour demain. Et puis, moi, je travaille dimanche. Fait que je me suis amené du linge simplement pour me changer pour quand je vais partir pour travailler. Puis là, je suis en train de faire le petit sac de lunch. Pour vrai, on va vraiment être sur la go, fait qu'il n'y aura pas grand-chose. J'ai mis là-dedans le beurre de peanut, Nutella, principalement des choses pour déjeuner, des petites grignotines. On a des amandes, des fraises et des bleuets. Puis je vais amener avec ça le pain et ça, parce que comme je vous dis, demain matin, notre journée va commencer à genre 6h le matin. Puis tu sais, on va déjeuner avant de partir, mais on va tellement être comme go, go, go toute la journée qu'on n'aura pas le temps de... on mangera pas à la maison ou quoi que ce soit, fait que ça ne sert à rien de s'amener quelque chose. Puis on va déjeuner dimanche matin, je sais pas, on va-tu déjeuner au resto? On checkera comment est-ce qu'on file, là, mais en tout cas, de toute façon, c'est ça. Fait que les seules choses qu'on va vraiment avoir à se faire à manger, ça va être de déjeuner, fait que c'est ce que j'amène. Là, j'allais me couper des petits morceaux de fromage parce que j'ai tellement faim. Bon, on fait combien d'arriver? Ça fait vraiment pas longtemps. La route a été quelque chose. Antoine, qu'on disait pour vrai une chance parce qu'on voyait vraiment pas grand-chose. Puis c'était vraiment... On s'attendait pas à ça pantoute, là. Il a vraiment neigé comme, quoi, le trois quarts de la route, quasiment? Pas mal, hein? Fait que, ouais, c'était quand même intense. On s'attendait vraiment pas à ça. Nous autres, on pensait que ça allait être comme à Montréal jusqu'à Québec. Mais non, vraiment pas. Mais ça nous a quand même pris le même temps. Puis on est arrêté juste une fois. Fait que ça a bien été. Là, c'est ça, on est arrivé. Ça fait pas vraiment longtemps. On a monté tout le stock. Et puis, on a eu un appel de la personne avec qui on est censé faire le contrat demain. Fait que il faut qu'on s'appelle à 5h30. Demain matin, là, pour savoir à quelle heure on va être là précisément, parce que vu qu'il y a eu la neige qui a commencé un petit peu plus tard que d'habitude, vu que la neige a commencé un petit peu plus tard qu'elle aurait été censée, eh bien, c'est peut-être qu'on va décaler notre journée, genre de 1h ou 2, on va voir là, comment ça s'enligne, mais en tout cas, on se stresse pas avec ça, on va prendre les choses comme elles viennent. Fait que là, on est en train de réviser justement une couple de petites choses pour demain, fait que... ça va être le fun. Soyez sûrs de regarder le prochain vlog pour pas manquer ça, parce que ça va être vraiment hot. Fait que je pense que là-dessus, ben, je vais terminer le vlog. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde!